Bienvenue pour cette ouverture Birchbox du mois de janvier 2019, donc la première vidéo de l'année. Alors, je l'ai reçue le 31 décembre, donc aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Et ce mois-ci, je suis la merveilleuse Nathalie. J'avais trop hâte de l'ouvrir parce que hier, par curiosité, j'ai regardé et j'ai vu qu'elle était vraiment... green quoi, je sais pas comment elle s'appelle, donc on va le voir ensemble, mais il a l'air d'y avoir vraiment plein de choses naturelles à l'intérieur, et c'est un petit pochon en plus, et vraiment je trouve ça trop bien. Regardez-moi ça, c'est un petit pochon, je trouve ça trop mignon. Oh, j'adore, vous savez, pour partir en voyage ou même mettre dans son sac pour mettre porte-monnaie et tout, je trouve ça magnifique vraiment. C'est un espèce de vert bleu pour les feuilles. Et sinon, c'est un couleur beige. Je sais pas qui a fait ça. Il doit y avoir... Ah, et... C'est vraiment, c'est super. Alors, on va voir comment elle s'appelle. Green, tout simplement. Voilà. Oh, regardez qu'on peut faire ça avec... On le retourne et on peut le mettre dans la salle de bain, voilà, pour mettre les petits pinceaux et tout. Ouais, je sais pas si c'est ce que je vais faire. Donc elle s'appelle Green, tout simplement. Notre engagement, charte Green. Garantir des produits sans danger pour votre body et pour la planète. Pour ce faire, nous avons réuni tous nos produits Green. Est-ce que les produits contenant des ingrédients soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, allergènes, irritants, en l'état actuel des connaissances scientifiques? Du coup, je devrais faire aucune allergie, enfin! Et là, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Vous reprendrez une petite test de nature? Oh, on a deux infusions. Oh! Des deux marmottes, j'aime beaucoup ce qu'ils font, les deux marmottes. Et bien, on dirait que c'est un petit cadeau dans la Birchbox de ce mois-ci. Et ça, alors oui, donc ça c'est les Birchbox Day, 7 jours très privés rien que pour vous. Voilà, donc là, pour les abonnés Birchbox, nous avons jusqu'à moins 70%. Sur une sélection de produits et moins 25% sur tout le site après, avec un code spécial exclusivité abonné. C'est bien sympa, mais je vous avoue, là j'ai pas trop besoin de produits. Alors, oh, bon, déjà, petite infusion, frisson d'hiver et l'utilisation officielle des frileux. Oh, je suis hyper frileuse, moi, vous savez pas, mais oh là là, c'est horrible. Il disait qu'il y en avait deux, il n'y en a qu'une? Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Bon, du coup, premier produit que je sors, je suis hyper contente. Nous avons une brosse à dents, comme ça, en bois. Je suppose qu'elle est recyclée et tout. Alors, je préfère lire, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah, et apparemment, elle aurait aussi un petit dentifrice avec elle. Là, comme ça. Donc, The Humble Co, qui est une brosse à dents et dentifrice. Ce sont dans la gamme accessoires. Votre brosse à dents est une superstar. Il s'agit en effet de la brosse à dents en bambou, la plus vendue au monde, rien que cela. On aime le fait qu'elle soit 100% biodégradable, faite de bambou, cultivée de façon durable. Et qu'elle soit aussi efficace que sa cousine en plastique. Le plus, elle s'accompagne d'un dentifrice clean aux ingrédients naturels et au packaging fait de plastique recyclé. Et donc, tout ça, c'est cruelty-free. Ok, alors, prix abonné de la brosse à dents, 3,40€. Ça va, ça va. Moi, je m'attendais à pire. Du coup, nous allons l'ouvrir parce qu'il est hors de question que j'attende. Je vais voir à quoi il ressemble. Vous savez quoi, ça fait plusieurs semaines que je me tâte à en tester une. Vous savez, celle
où le manche est fait en produit recyclable et où on peut enlever la tête et du coup de racheter que la tête après à chaque fois. Et là, je vais d'abord essayer ça. C'est magnifique, hein. Gardez-moi ça. Dessus, c'est gravé Birchbox. Nous avons la brosse à dents. Humble Brush. Et menthe fraîche, tout simplement. Voilà. Nous, on aime bien les petits échantillons comme ça. Donc, c'est bien fermé. De toute façon, je pense que je vais le tester tout à l'heure. C'est vegan, tout ça. Donc, c'est pour les adultes. Adulte soft, il y a marqué. Oui, parce que je suppose qu'il y a vraiment plusieurs souples, durs, médium et tout. Elle, c'est la soft. De toute façon, moi, je vous conseille de prendre toujours des souples. Hein. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Je suis trop contente. Vraiment, ça commence très très bien. Ensuite, alors, comment vous dire que cette crème, je l'ai déjà. De la marque Villa Botania. Je l'ai eu, dans la Glossy Box Crazy Horse. Et je l'aime beaucoup beaucoup et je l'ai presque fini d'ailleurs. Mais là je m'en suis mis ce matin. Alors elle est fermée, ça tombe très bien parce que là j'avais envie de faire une cure de plutôt après l'avoir fini l'autre, de faire une cure de crème pour affermir la peau. Voilà, et après je reviendrai sur elle en plus. Quand j'aurai fini l'autre, on arrivera presque au printemps. Du coup je sentirai bon la fleur d'oranger et j'aime beaucoup 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 cette crème, vraiment. Super, elle est top, elle pénètre vite dans la peau. Le parfum y reste subtilement en plus. Non, c'est génial, c'est un petit coup de cœur aussi. Je pense que du coup, après avoir fini ça, si j'en ai pas d'autres encore, peut-être que je testerai un autre parfum. Voilà. Du coup, crème Corbella notée. Donc celle-là, c'est à la fleur d'oranger. Donc elle est bien cruelty free. Elle est à l'huile de jojoba, cire naturelle d'abeille et huile de sésame. Voilà, tout simplement. Donc elle est super. Elle est combien? 96% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Enfin voilà, elle est top. Elle est top, top, top. Voilà. Du coup, ensuite, alors ça c'est moi qui l'ai choisi, on a eu le choix. Et ça tombe bien que je l'ai. Ça tombe très très bien parce que je venais de finir l'autre. Alors, attendez, voilà c'est là. Alors de la marque Kérastase Paris. Aura Botanica, masque fondamental riche pour les cheveux. Alors, je viens juste de finir le noir. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mais ça sent trop bon. Déjà, l'autre, il sentait bon. J'avais eu le noir. Je sais plus si c'était dans Birchbox ou Glossy Box. Mais alors, lui, il sent hyper bon. Huile de noix du Brésil d'Amazonie. Et c'est 98% d'origine naturelle. Waouh. De toute façon, je sais que les produits Kérastase coûtent cher. Mais j'hésite vraiment à m'acheter le shampoing. En plus là j'ai le soin, donc ça tombe bien. J'ai oublié de vous dire pour cette crème là, pour la crème Villa Botanica, prix abonné sur le shop de Birchbox en 75 ml est à 11,82 €. Et là nous avons 30 ml. Et là, du coup, nous avons 75 ml et le format à la vente est de 200 ml. Ici, prix abonné 36,45 €. Donc déjà, vous savez un très très bon produit vu le prix. Il est vraiment top top. Mais je savais pas que c'était cruelty free et tout. Ah non, c'est pas cruelty free, c'est 80. Ouais, ils ont pas du... Ah c'est marrant. Là, il y a marqué 97% d'origine naturelle et là 98. Bon, peut-être une petite erreur de frappe, c'est pas grave. En tout cas, je suis sûre que je vais avoir des cheveux magnifiques avec ça. L'huile de noix brésilienne associée à de l'huile de son riz thaïlandais. L'huile de riz.
vais essayer ça. Mèche à mèche, cheveux et souris, laissez poser 5 minutes. Vos cheveux seront doux, soyeux, hydratés en profondeur. Sans silicone, ni sulfate, ni parabène. C'est parfait. Rien que là, waouh quoi, waouh. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est bio. Alors, c'est de la marque Boho ou Boho, aucune idée. Jumbo yeux bio bronze. Alors, je sais pas ce que c'est. Fard et contour. Fard à paupières. C'est rigolo de voir un... le naturel du bois comme ça. En général, il est coloré. En tout cas, c'est un cosmétique bio. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Ce crayon jumbo multi-usage va vous dessiner le plus beau des regards. On adore sa texture crémeuse, facile à travailler, même pour les débutants. De ricin, de l'huile de graines de tournesol. On l'aime en liner, ras des cils ou encore en ombre à paupières, seul ou associé à d'autres fards. Ah bah ça me fait penser à un produit... j'ai déjà eu, tiens. C'est pour ça qu'il est bien beau. Ça brille énormément. Ça brille super bien. À essayer, oui, après. C'est vrai, il faudrait que je m'achète un truc pour tailler les gros crayons comme ça. J'en ai d'autres que je peux plus utiliser pareil parce qu'il faut que je les taille. C'est un peu pénible ça. Le tips de Colleen. Les jumbo crayons en crème, c'est toute ma vie. J'applique ça directement sur la paupière mobile et j'estompe avec mon outil préféré, mes doigts. Rapidité et rendu naturel, super naturel, garantie. Rendu naturel, garantie. Ah ouais, ah ça s'estompe bien hein. Après pas non plus enlever tout le produit hein. Mais en même temps quand j'estompe là on voit pas grand chose hein. Bon, alors, peut-être qu'après que vous l'ayez estompé, il faut en remettre, en fait, de la ligne. Je sais pas. Ouais, bah, à voir. À utiliser, à essayer. Et 1% pour la planète, il y a marqué. C'est sympa. 36,66% biologique au total. 60% d'origine naturelle au total. Contrôlé par les bureaux Veritas selon référentiel Cosmo standard disponible sur le site. On dirait que c'est fabriqué en France en plus. Bon donc voilà, et ce petit produit coûte 5,94€ sur le shop de Birchbox pour les abonnés. Et le dernier produit, donc de la marque Absolution. La crème douce démaquillante, nettoie et démaquille, adoucit, restaure. Alors moi je vous avoue j'utilise aucun produit pour me démaquiller, juste une lingette en fait naturelle pour me démaquiller, du coup nous verrons bien, mais bon vu que c'est cruelty free ça devrait aller. Alors la crème douce démaquillante visage, vrai cocktail d'ingrédients naturels, crème nettoyante élimine traces de maquillage, toxines, résidus de pollution présents sur la peau. On adore sa formule toute douce qui convient aux peaux les plus sensibles. Comment l'utiliser? Le soir, appliquer sur le visage, l'emmassant délicatement. Laisser poser 1 à 2 minutes pour profiter des super actifs. Puis rincer idéalement avec une éponge Conjac que j'ai rachetée il y a quelques jours, donc ça tombe très bien.
Ah bah non, j'en pouvais plus de ne. En fait, quand on s'habitue à des produits naturels comme ça qui font du bien à la peau et qu'on voit de jour en jour que la peau elle va vraiment bien, vraiment, on peut plus s'en passer et du coup on cherche à racheter. Et j'ai trouvé et j'ai racheté cette fois l'éponge Conjac au charbon et qui vraiment cicatrise mes boutons. Oui, parce que qui dit fête de Noël, anniversaire, dit qu'on abuse des bonbons, du chocolat et du coup j'ai eu des boutons et qui vraiment là commencent à partir bien bien. Maintenant c'est à moi de faire attention à ce que je mange. Voilà, mais c'est vrai que pour ces vacances, j'avais pas envie de me priver si je voulais manger des bonbons, des chocolats. Du coup, je me suis pas privée, mais voilà, la répercussion est directement sur ma peau. Ce qui fait que mes soucis de boutons, c'est pas hormonal, c'est vraiment dans ce que je mange. Du coup, il faut que je fasse attention à ce que je mange au quotidien pour avoir une belle peau. Mais avant de savoir ça, hein, et ben, je suis passée par des étapes, je ne vous dis pas. Hein. Bon, peut-être que j'en parlerai un jour, mais bon. Alors, bon, beau et bon. Votre démaquillant contient de nombreuses plantes au pouvoir fantastique, des extraits d'aloe vera, d'amamélis, de tilleul, de camomille romaine, un vrai petit herbier. Excellent. Alors du coup, là nous avons 15 millilitres. C'est comme ça va, c'est un bel échantillon quand même si je le trouve un peu petit. Le format vente fait 125 millilitres et le prix d'abonné pour ce format vente de 125 millilitres est à 33,15 €. Ça a l'air sympa. Ça a l'air bien sympa. C'est bio et tout. Hein. Vraiment. Quand c'est ouvert, ça dure que 6 mois. Attention. Hein. Ouais, du coup, si j'aime pas, je le donnerai à une de mes sœurs. Donc voilà pour cette Birchbox du mois de janvier. Je l'adore trop. Oh là là. Oh, je suis fan. J'aime beaucoup. Petit pochon, je suis sûre que je pourrais en faire un en plus. Tellement facile à faire. J'en avais fait un peu comme ça que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Sauf que j'avais pas fait ça moi. J'avais fait le système de faire des trous de boutonnière en fait et de passer un. Voilà, c'était pour faire la bourse de la fée Clochette pour ma soeur. Et ce système-là est très très bien aussi. Hein. Mais c'est pas ce que ma soeur elle voulait en fait. Elle voulait que ça dépasse en plus, du coup je pouvais pas faire ça. Enfin, dans tous les cas, j'avais pas trop le temps de le faire. Mais c'est magnifique. Et du coup, ça aussi, c'est avec du tissu recyclé ou pas? Non, 100% coton naturel. D'accord, oui, donc ça a été fabriqué donc par les petites mains de Birchbox. Hein. Voilà, et d'ailleurs, nous avons le petit logo Birchbox. Non, elle est magnifique cette petite bourse. J'ai envie de la poser quelque part. Mais ça va pas trop avec ma chambre, c'est dommage. Je change plein de meubles, plein de choses. Je suis fan, fan, fan. J'ai envie de mettre mes petits pinceaux dedans. Ouais, ça ferait sympa. Alors, qu'avons-nous ensuite? L'abécédaire green. Il y a ABC. Alors, do you speak green? Retour sur les bancs de l'école pour. Une leçon comme animaux. Pour refaire le point sur tout ce qui concerne nos bêtes à poils, un produit cruelty-free n'est pas forcément un produit vegan. Un cosmétique cruelty-free sans cruauté en français, donc ça veut dire n'a pas été testé sur les animaux et ce, à aucun stade de sa fabrication. Un produit vegan ne contient aucun ingrédient d'origine animale, lait, miel, cire d'abeille. Voilà, comme ça, c'est clair. Beauty Green. Dans la Beauty Green, on trouve deux types de produits, des produits naturels, des produits bio. Ces ingrédients naturels, comme les huiles végétales, la cire d'abeille, ne sont pas forcément tous bio. Les ingrédients bio proviennent tous de l'agriculture biologique et seront forcément naturels. Mais la réciproque est fausse. Si vous souhaitez privilégier le bio, choisissez des produits certifiés bio à au moins 10%. Ok. Ces certifications. Donc, le terme bio est une certification faite par un organisme qui valide la composition d'un produit en la présence d'ingrédients issus d'agriculture biologique à l'aide d'une charte stricte en France. Vous êtes peut-être familière avec les organismes EcoCert ou Cosmebio. Depuis 2017, dans une volonté d'harmoniser tout cela,
Tous les produits cosmétiques bio doivent avoir une étiquette Cosmo Organique en Europe. Ok. Là, c'est éco, certes. Il n'avait pas forcément marqué. Ah bah après, il faut le demander aussi. Il faut demander la certification, je pense aussi. Donc, tous les produits ne le sont pas. Les grandes marques, c'est possible. Après, je pense que c'est payant en plus de demander la certification. Je sais, j'ai ma cousine qui fait un élevage d'œufs de poule bio et qui elle a dû payer pour demander cette certification et c'était assez compliqué en plus, mais ils l'ont et du coup leur vente marche très très bien en fait. C'est en Bretagne au cas où vous vous demandez et vraiment enfin voilà, ça marche très très bien. Mais c'est une certification qu'on demande parce que tous les éleveurs ne le demandent pas et disent que c'est bio. Pas forcément. Team Green, là par exemple nous avons Melvita qui fait des produits naturels bio, Olution, Absolution, même des maquillages, hein. Aveda et We Love the Planet. C'est rigolo. Voilà. Donc l'interview de Colline, je ne connais pas. Est-ce que c'est Eb Colline? Voilà, donc nous avons une interview d'une youtubeuse. Ouais, alors je n'ai pas regardé ses vidéos, je vous avoue. Moi je suis naturellement Lila et Ilia Renon. Justine Porcelaine aussi, mais sinon je suis pas grand monde par rapport à ça, hein. Et voilà, du coup pas de news pour la Birchbox du mois de février. Ce n'est pas grave. Bon, du coup voilà pour cette Birchbox du mois de janvier 2019. Je l'adore trop. J'aurais peut-être aimé tester juste un rouge à lèvres bio parce que j'adore les rouges à lèvres déjà à la base, et que des bio je pense que je n'en ai pas et j'aurais bien aimé, et je pense même cette année commander crayon noir, mascara bio pour tester et un rouge à lèvres aussi. Oui, j'aimerais bien essayer ces trois produits au moins. Déjà parce que j'ai beaucoup de fards à joues, d'illuminateurs, et j'ai encore mes fonds de teint à utiliser. Mais les rouges à lèvres, je sais que j'ai... Voilà, ça c'est quelque chose que je mets au quotidien, tous les jours presque. Et que voilà, je peux utiliser facilement. Crayon noir, j'en mets aussi très très souvent. Et le mascara, c'est tous les jours aussi, pratiquement. Du coup, voilà, ça c'est des produits que j'utilise au quotidien et qui s'usent très vite du coup. Surtout le mascara, c'est impressionnant. Le mascara, je sais pas, oui, moi ça dure que 2-3 mois maximum. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Birchbox Parrainage, ça vous fait des avantages à vous comme à moi, lesquels je me souviens plus, mais dès que je m'en souviens, je le marquerai enfin en barre d'infos. Hein, et comme ça, vous saurez ce que ça vous fait à vous comme avantage. Du coup, dites-moi si cette Birchbox vous a plu. Oui. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne année 2019. Le bonheur, la santé, que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des gros bisous. Bye.